Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, je suis là. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est super nombreux avant d'attaquer. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Victoria qui me dit Cécile, elle aussi. Ça, les sœurs Granger alors, c'est ça. Est-ce que vous avez un son et l'image? Dites-moi, dites-moi. Ah, c'est chouette de vous retrouver là. On est méga nombreux. Alors, je vois plein de noms que je connais. Bonsoir. Les filles, les garçons, les mio-mio, tout le monde quoi. J'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde. Je suis super contente de vous retrouver en direct. Par contre, je vais mettre mes lunettes parce que plus ça va, moins je vois. Hein. Je pense que le Pilate ne rend pas la vue. Je crois que c'est clair. Salut Aude. Salut Widette. Parfait. Coucou ma Audrey. Bon bah nickel. Je vous sens super opérationnelle là. Monique est là aussi, parfait, nickel. Bon, j'espère que vous allez bien, qu'on va reprendre cette semaine tranquillement. Et puis ben, ce soir, du coup, je vais me représenter pour ben, les nouvelles et les nouveaux élèves qui sont avec moi ce soir. Donc moi, je suis Audrey et je suis kiné et prof de pilates. Voilà mon CV. Et la raison pour laquelle je vous propose de participer à ce cours ce soir, c'était pour vous faire découvrir. Vous faire découvrir la méthode Pilates parce que c'est une méthode que je trouve absolument géniale, hein, il faut le dire, pour bouger en fait et renforcer son corps en douceur et en profondeur. Moi, je. Salut lunettes, sympa, hein? Sinon, plus ça va, moins je vois, c'est terrible. Et du coup, la méthode Pilates, c'est vraiment un outil que moi j'affectionne, que ce soit en cabinet de rééducation, je m'en sers en tant que kiné, mais je m'en sers aussi. En remise en forme classique. Et du coup, en fait, c'est aussi là une façon de vous faire découvrir avec une petite séance courte de 30 minutes à quoi ça ressemble, et puis de vous faire participer un petit peu et de voir ensuite quelles ont été vos sensations. Bon, alors, Pilates et polyarthrite, alors, petit aparté, bien sûr, comme chaque discipline sportive, je vous invite quand même à toujours avoir l'autorisation médicale de faire du sport avant de commencer n'importe quelle activité sportive. En général, ça vaut pour le pilates, bien sûr. Donc après, j'ai envie de te dire, Stéphanie, si ton médecin est OK et si tu es en phase un petit peu froide, hein, qu'on n'est pas en phase aiguë, bien sûr qu'il faut quand même normalement bouger en polyarthrite pour justement essayer de conserver un petit peu de mouvement, un petit peu de mobilité. Là, c'est vraiment le mouvement qu'on essaie de faire passer, nous, en kiné, récemment, puis même la sécu, hein, vous le dit. Le mouvement, c'est la clé. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que vraiment, la sédentarité, le manque d'exercice, le manque de mouvement créaient quand même tout un tas de pathologies, de douleurs, de maux, quoi qu'il en soit. Donc, c'est super important de bouger. Voilà, là, moi, ma mission, c'est de vous faire bouger ce soir avec du Pilates, puisque c'est ma spécialité. Hein, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que la méthode Pilates? Ça va être des exercices plutôt lents, plutôt profond avec de la concentration. Je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration, votre posture, votre façon de vous tenir et ça va demander du travail. Hein. C'est vrai que quand on démarre le pilates, souvent, moi, ce que j'entends, c'est quand même compliqué de faire la coordination respiratoire, abdominale, tout ça, blabla, gna gna. En même temps, c'est normal, c'est vachement riche, hein, toutes les consignes, il y en a énormément. Et les assembler toutes en même temps, c'est aussi un apprentissage. Donc, pas de panique pour le démarrage. Là, l'idée, c'est de se focaliser une demi-heure sur son corps. Et dites-vous bien qu'il n'y a pas souvent de moments dans la journée où on peut faire cette petite chose-là. Donc, ça va vous faire du bien, déjà rien que de rentrer à l'intérieur de votre corps et d'essayer de vous sentir bouger, bien placé, sentir vos muscles se réveiller et vos articulations qui seront préservées. Aujourd'hui, on va pas sauter partout. C'est un cours low impact, hein, donc sans impact. Mais vous allez voir que c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'effort musculaire. Est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on attaque? Parce qu'après, je vous propose qu'on revienne sur ce petit cours une fois qu'on aura donc partagé ce moment ensemble. Merci Gabi. Oui, voilà, Valérie, ça vient. C'est comme tout, en fait, hein, j'ai envie de dire. Il faut un petit peu de temps, il faut de la pratique pour essayer d'acquérir les automatismes et puis de prendre du plaisir petit à petit. Parce que oui, à la fin, on prend du plaisir à faire des exercices de pilates. Enfin, moi, je trouve, hein, perso, évidemment. Est-ce que vous avez des petites questions? Je prends un petit coup parce que moi, je vais blablater pendant une demi-heure après.
Pas oublier de s'hydrater, Pierrette, exactement. Voilà, c'est de l'eau, hein. Bon, très bien. Parfait, bah merci Flo. Je vous propose, alors non, ce soir, pas besoin d'autre chose que de tapis. On est sur une séance qui est poids du corps. Et vous allez voir que ça sera entièrement suffisant. Je vais vous donner plusieurs options parce que c'est un cours un petit peu tout niveau. Donc on aura salut Martine, on aura plusieurs options de difficultés pour que chacun puisse un petit peu trouver en fonction de ses possibilités un niveau d'exercice qui lui convienne. D'accord ? Donc vous n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas confortable au niveau articulaire surtout, en fait, essayez de peut-être diminuer un petit peu l'amplitude, l'intensité, ralentir un peu le mouvement. Si au contraire vous vous sentez à l'aise, n'hésitez pas à aller à l'option la plus costaud que je vous propose. Un truc aussi un peu sympa, ce que je peux vous proposer, c'est travailler devant un miroir. Parce que le fait d'avoir un contrôle visuel sur votre posture, vous allez voir que ça va vous aider à bien vous placer parce que le pilates, c'est assez précis. Vous allez voir qu'on est sur des positions qui sont super précises, qui vont vous permettre de ressentir vraiment en fait toute l'intensité de l'exercice. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit ? On a besoin du tapis, si possible un miroir. Je reviendrai vers vous de temps en temps pour voir s'il y a des petits trucs à voir en direct. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on en parle dans une petite demi-heure. Quand on sera tout neuf, quand on aura un corps tout neuf, quoi. Voilà, ça vous va ? On est parti, je peux reposer mes lunettes. Attention, je n'ai plus mes yeux. Hop là, voilà. Alors, je vais vous proposer donc de vous mettre debout sur le tapis et on va attaquer par un petit échauffement où je réexplique la respiration et la position du pilate. All right, merci les filles. Alors, t'as coupé ta tournée d'infirmière, Cécile. Oh, c'est bien, ça va te faire du bien cette petite pause entre deux rendez-vous. Ah super, ça tu me parles du challenge. Oh, ben justement, j'en parlerai après. Salut Valérie. Allez, les enfants, c'est pas tout ça, mais 19h07, on a du taf. Allez, go. On va donc se mettre en position debout. Les miomio, vous êtes toujours là ? Oui, hein. On va toujours se mettre en position debout sur son tapis. J'espère que vous allez avoir assez de lumière. Ouais, a priori, ça a l'air bon. Ok. Alors, démarrons ensemble un petit peu de respiration. Puis là, ça va vous faire du bien. Position debout. Les pieds qui sont exactement sous les hanches, c'est pas là. En soyez objectif avec la largeur de votre bassin, des fois on ne l'est pas vraiment. Ensuite, on va garder bien la répartition du poids du corps sur l'ensemble du pied. Là, vous allez me fléchir légèrement les genoux. C'est toujours un petit appui un petit peu souple. Et me garder votre colonne lombaire en position neutre. C'est-à-dire que vous me conservez ici votre courbure lombaire naturelle. Hein, on ne rentre pas ici les fessiers vers l'avant, ni on exagère la courbure. Vous me conservez votre anatomie. C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec sa propre anatomie. Par-dessus, vous étirez votre colonne vertébrale. Imaginez que vous avez un fil au sommet du crâne. C'est vraiment le sommet du crâne. Hein. On évite d'avoir le menton qui se dégage vers le plafond. Et vous allez reculer vos épaules vers l'arrière et vers le bas pour en fait me placer un petit sourire au niveau des clavicules ici. Les épaules font dans les poches arrière des pantalons. Et ça, c'est notre posture de démarrage pour sentir la respiration qu'on va situer au niveau du thorax. Vous allez mettre vos mains sous la poitrine. Je vais me rapprocher un petit peu de vous. Et puis, vous allez me faire une grande inspiration latérale thoracique. Vous mettez donc vos mains ici. Vous me faites inspirer ici, devant, sur les côtés, derrière. Sans lever vos épaules vers vos oreilles, vous me gardez toujours cette longueur de nuque ici pendant notre exercice, pendant tous nos exercices d'ailleurs. Inspire, ouvre, expire, referme. Cette respiration-là, ça va nous permettre de travailler ventre-rentré pendant toute notre séance. Ça sera en fait, c'est pour ça que je vous embête à respirer absolument au niveau de la cage thoracique, c'est parce que ça a un intérêt quand même biomécanique, c'est que ça vous permet de conserver votre ventre rentré puisque vous réinspirez par ici. Donc nous inspirons cage thoracique. Allez, à la bourre, t'es là, mettez-la aussi. Allez, vite. Inspire. On ajoute la contraction du périnée. Le périnée remonte entre les os des fesses. Je rappelle que contracter son périnée, c'est se retenir d'uriner, par exemple. Mais ça n'est absolument pas serrer les fessiers. Il n'y a pas de visibilité quand on serre son périnée. On ne bascule pas son bassin, ça ne se voit pas. Vous pouvez toucher vos fesses, elles doivent être relâchées quand on serre les périnées. Ok, puis vous allez ensuite vous concentrer sur l'expiration.
On va souffler en faisant rentrer le ventre de bas en haut. Imaginez que c'est une fermeture éclair ici qui remonte pour en fait vraiment venir solliciter les muscles profonds au niveau de l'abdomen. Je récapitule. On inspire cage thoracique. On installe la contraction du périnée juste avant de souffler. Et maintenant, vous soufflez. Vous sentez ici une petite ceinture qui se met en place. Votre taille se serre toute seule. En fait, c'est votre muscle transverse qui bosse. D'accord ? Faites-moi ça plusieurs fois. Inspirez, cage thoracique. Contraction du périnée. Donc, pendant qu'on inspire, on lâche les épaules. Expirez, vous me faites rentrer votre nombril de bas en haut et vérifiez bien que c'est de bas en haut parce que si vous me rentrez le haut et que le bas ressort, c'est qu'on a loupé une étape. Ok ? Donc c'est vraiment de bas en haut. Encore une fois, j'inspire. Et je sais que c'est ça qui vous prend la tête. Hein. Très très souvent, c'est cette histoire respiratoire, mais vous n'en faites pas, ça vient. Expirez, périnée transverse. Donc périnée transverse, ça veut dire je serre mon périnée, je rentre mon ventre et ça, je vais le dire à peu près 5000 fois pendant la séance. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire. On va maintenant faire une petite mobilisation articulaire avec sa nuque. Vous allez inspirer, tirer la tête vers l'arrière et vous allez souffler. Ramener le menton vers la poitrine. On va faire ça juste quelques fois, histoire d'échauffer ses cervicales. Vous soufflez, menton-poitrine. Pensez toujours à cet auto-agrandissement, les épaules dans les pochards des pantalons, les sourires des clavicules. Tout ça, c'est installé, ça ne bouge pas. Hein. Inspirez, soufflez, vous revenez la tête dans l'axe et vous allez me faire des enroulements au niveau de votre ceinture scapulaire. Tout ça en inspirant et en soufflant. Alors, c'est le seul exercice où j'autorise l'ascension des épaules. Donc, allez-y. Là, on monte ses épaules et on relâche. D'accord ? C'est vraiment toute votre ceinture scapulaire qui doit bouger. Les bras qui sont relâchés. Personne ne rame. On rame déjà bien assez quotidiennement, encore une fois. Inspirez, essoufflez. Donc, vous restez debout. Hein. Moi, je me rapproche pour que vous arriviez à visualiser les épaules qui bougent. On change de sens. On inspire et on souffle. Vous continuez de me faire la coordination avec le périnée et le transverse. Inspirez, expirez. Vous devez déjà sentir vos abdos qui travaillent grâce à votre expire. Hein. Soufflez, ok, vous relâchez, on va juste fléchir très très légèrement les jambes, me placer les mains en haut des cuisses, on inspire colonne droite, vous soufflez, vous me faites un joli dos rond, imaginez qu'on vous donne un coup de poing dans le ventre s'arrondit, le dos s'arrondit aussi, et on inspire, on revient, dos plat, le poids du corps bien sur les talons, soufflez, rentrez votre nombril, relâchez vos épaules, inspire, encore soufflez. Petit échauffement du haut du corps qui déverrouille un petit peu et qui nous met en condition. Les épaules bien loin des oreilles. On souffle, on remonte chaque vertèbre une par une. Ok. On va poursuivre un petit peu son échauffement avec un exercice qui mobilise la sangle abdominale, mais aussi le haut du corps. On va allier deux aspects, la stabilité et la mobilité. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. On va garder donc sa position neutre, genou fléchi. Vous allez m'amener vos deux bras aux oreilles. Quand je dis aux oreilles, c'est les épaules loin des oreilles. On a toujours des boucles d'oreilles très longues. Hein. Donc, elles sont installées pendant notre cours et elles ne bougent pas. Ici, le périnée transverse est engagé. Vous gardez l'alignement en fait du bras avec le thorax. Et là, vous allez me faire des tout petits battements, comme si on était dans une piscine et qu'on voulait avancer. Bon, je ne suis pas sûre que ça marche beaucoup, hein, mais en tout cas, c'est l'image ici. C'est le swimming au niveau du haut du corps. Vous gardez vos bras très, très, très tendus. Je me rapproche un petit peu. Et vous allez me faire inspirer 3-4 battements. Ouvrez la cage thoracique. Expire, périnée transverse. Vous rentrez votre ventre. Faites super attention. On n'est pas là. Hein. Là, on est à côté des oreilles, des épaules, dans les pochères des pantalons. Vous continuez. Inspire. Ouverture cage thoracique. Périnée transverse. Expire. Là, on est sur un travail de stabilité du thorax. Ce qui stabilise, ce sont vos abdominaux. Encore, inspirez. On se redresse, on se redresse. On garde les jambes fléchies, la position neutre. Expire. Sentez vos abdominaux ici qui font tout ce travail de stabilité. Les omoplates bien, bien, bien descendues. Une petite dernière. J'inspire. Cage thoracique, vous êtes toujours debout. Expire. Et les bras sont tendus. Hein. On ne finit pas ici, sinon c'est sympa, mais ce n'est pas le but.
Ok, vous restez ici maintenant, sans bouger. On va maintenant me faire un travail de mobilité. Vous allez me faire des grands cercles avec votre thorax. On inspire et on expire. Encore, on inspire. Là, c'est complètement en fait l'inverse de ce qu'on vient de faire. On avait un thorax très rigide. Ici, je vais vous demander de me faire plutôt un thorax un peu chewing-gum. Toujours en position debout. Inspirez. Par contre, vous avez votre bas du corps qui est super stabilisé. Encore, on inspire et on souffle de profil. On a une vraie, ici, extension du dos et vous soufflez. N'ayez pas peur d'aller chercher des petits mouvements comme ça. Même si vous avez un dos un peu fragile, il manque souvent de mobilité. Là, vous ne craignez rien. Vous êtes en position genou fléchi. Vous êtes totalement dans la maîtrise de votre mouvement. C'est lent. Donc, allez chercher des petites rotations comme ça. Ok, vous pouvez souffler, relâcher. Normalement, vous avez eu un petit peu de chaleur au niveau des bras. On va pouvoir attaquer ensuite avec les jambes. Salut Gilles! Et oui, il y a des messieurs, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. On va travailler un petit peu avec les jambes en ouverture plus large que le bassin cette fois. Vous ouvrez donc ici, vous engagez le centre avec le périnée transverse, les épaules, les clavicules, le nombril, ça, ok, c'est toujours d'actualité. On va imaginer qu'on va s'asseoir sur quelque chose qui est super loin. Me faire un petit quart de squat. Quart de squat, les épaules bien basses, et quand on descend, c'est les fesses ici en arrière. Vous ne gommez pas la courbure lombaire, mais vous n'exagérez pas non plus. Vous poussez vos fesses en arrière. Périnée transverse ici, toujours bien sûr sollicité. Donc on inspire ici, vous allez souffler, remontez jambes tendues. Amenez vos bras aux oreilles, terminez sur les talons. Et là, on se grandit, on tient grâce à son centre engagé. Puis on inspire, on repose les talons, on descend. Et on expire. Jambes très tendues, on tire sur ses genoux à fond. Inspire, descente, laissez vos épaules loin dans les poches arrière des pantalons. Et vous soufflez. On en fait 10 comme ça. Là, vous conservez les genoux au-dessus des chevilles. Et vous adaptez un petit peu en fait la hauteur. L'adaptation, là ici, on n'est pas obligé de descendre complètement au niveau des genoux si vous sentez que le genou est un peu fragile. Mais simplement, vous me faites bien le système respiratoire et l'élévation des bras. Encore une petite comme ça. Inspire, poussez les fesses en arrière, tenir bien le ventre, rentrer le périnée serré. Soufflez. On va rester ici en position basse au niveau des jambes. Vous me gardez vos bras devant vous. Et vous allez me faire souffler pointe de pied. Inspire, pause. C'est du lent. J'expire. Deux. Et il n'y a que ça qui bouge. Hein. Donc, vous choisissez votre hauteur de jambe, mais vous me faites juste, hop, pointe de pied. Trois. On descend ses épaules, on relâche sa ceinture scapulaire, soufflez. Quatre. N'oubliez pas que là, en pilates, on est toujours avec cette posture d'auto-agrandissement. On allonge sa colonne, on vient chercher vraiment de la longueur au niveau du thorax. 5. Faites-moi travailler le périnée transverse. 6. Rechauffez un petit peu là. Hein. Encore. Soufflez. 7. Solide dans les chevilles. Ça les fait travailler aussi un petit peu. Ça ne leur fait pas de mal. Allez. Encore une petite. J'expire. Repose. Et remontez. Parfait. Petite mobilisation des jambes. On va passer proche du sol. Alors, pour ça, je vais peut-être juste incliner un petit peu plus mon écran et le rapprocher. Ok, parfait. On va donc travailler sur de l'enroulement vertébral et ensuite un petit travail en position de planche. En bout de tapis, conservez les genoux souples, les bras relâchés. Grande inspiration et vous soufflez. Enroulement vertébral, chaque vertèbre une par une. Là, c'est un travail de mobilité hyper important. On essaie de sentir chaque étage de son dos plongé en avant en restant bien relâché au niveau de la tête et des épaules. Vous me gardez les genoux fléchis. Hein, souvent, j'ai des petits messages comme quoi ça tire derrière. N'hésitez pas à fléchir vos genoux ici. On n'est pas sur un travail d'étirement. Hein. Une fois que vous êtes là, vous inspirez et vous allez souffler. On va remonter chaque vertèbre une par une. Très lentement. Vous sentez tous les étages de votre dos qui se réalignent ici, là. Tac, 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 ça leur fait beaucoup de bien. À la prochaine. Une fois qu'on est en bas, on avance.
et on se stabilisera en planche pour bosser un petit peu la sangle abdominale et les appuis au niveau des membres sup. Inspire ici, expire. Périnée transverse. Gardez toujours ce petit gainage avec le ventre rentré, le périnée serré. Genoux souples. Les mains près des pieds. On inspire, on avance sans bouger le bassin. Vous ne dandinez pas. On pose les mains sous les épaules et vous soufflez. On reste ici en position alignée. Là, j'insiste sur alignée. Hein, c'est pas ici, c'est pas là. On se corrige, on regarde et on ajuste les positions. Travaillez en statique. Dégagez-moi bien vos épaules de vos oreilles. Vous inspirez ici, vous soufflez. Je rentre le ventre. Puis vous allez inspirer. On va tourner sur les deux pieds. Essouffler, ouvrir le bras vers le plafond. Je vais vous donner l'adaptation possible. On inspire, on revient ici devant. Soufflez. Inspire, tourne de l'autre côté. On tourne simplement sur le plat du pied. Et on souffle, on amène le bras vers le plafond. Inspire, revient devant. Adaptation possible sur les genoux. La même chose, vous soufflez. On inspire, on va tourner ici sur une jambe qui va rester fléchie et pousser dans son bras pour être ici en latéral et stimuler les obliques. J'expire. Inspire, on revient ici devant. Si les poignets grincent un peu, la même chose sur les coudes. Ok ? Soufflez. Ici, peu importe, hein, les genoux joints ou alors la jambe au-dessus tendue. Peu importe, l'essentiel, c'est que vous arrivez à sentir en fait les efforts qui se latéralisent au milieu et sur les côtés. Très important pour ceux qui sont sur les mains, ne vous laissez pas écraser dans vos appuis. On repousse le sol, on est solide. Très, très important. Tendez vos jambes pour les genoux décoller. Allez, on revient au centre, on le fait encore une fois. Soufflez. Inspire, allongez, pousse, vous allez chercher la longueur vers le plafond. Inspire, soufflez. Dernière fois, inspire, soufflez. Ok, parfait. Vous allez me poser vos genoux au sol. Vous asseoir sur vos deux talons. Vous tirez les bras loin devant vous. Quelques petites secondes en étirement, comme ça, ne feront pas de mal. Donc, pendant cet exercice de gainage, le centre est super important. La ceinture scapulaire travaille aussi. Faites attention à ne pas monter vos épaules vers vos oreilles et à ne pas vous laisser vraiment, en fait, vous écraser dans vos appuis. On est toujours solide, on est toujours fort et on cherche de la longueur dans la colonne. Un petit travail de mobilité entre deux. On va travailler à quatre pattes avec les épaules dans les pochards des pantalons. Le dos plat, vous inspirez ici. Et en soufflant, vous allez venir poser vos fesses sur le côté. Les deux mains resteront sur le sol, les bras restent tendus. Vous allez sentir que ça étire ici les lombaires sur le côté. On revient au centre, on inspire. Et vous soufflez, vous allez de l'autre côté. Ça, c'est un travail de mobilité. Ici, on essaye de bouger les articulations les unes entre les autres. De face, même chose, vous soufflez. Allez, on vient tirer ici, on inspire. Moi, j'aime bien cet exercice, je trouve qu'il fait du bien. Soufflez. Ok, inspirez. Et soufflez, relâchez. On va passer à la suite. Travailler un petit peu de la sangle abdominale en position assise. Plusieurs options pour la position assise. Le prérequis obligatoire, c'est la colonne vertébrale super droite. C'est-à-dire que là, je ne veux personne qui soit en appui sur son sacrum. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez même vous asseoir sur une petite brique ou quelque chose, fléchir vos jambes et le niveau, on va dire, le plus avancé, c'est les jambes tendues, avec bien sûr les appuis sur les os des fesses. Donc, à vous de voir, pourvu que vous ayez une colonne là qui soit parfaitement étirée, parfaitement alignée. Je tolère les petites flexions, hein, sans problème. Hein, d'accord ? On va travailler ici avec les bras devant. Le centre engagé avec le périnée transverse. Donc, j'allonge, menton vers la poitrine, les épaules dans les pochards des pantalons. Vous allez inspirer, amener vos deux bras aux oreilles. Les bras vraiment à côté des oreilles. Et en soufflant, vous allez m'ouvrir un bras devant, un bras derrière et vous regardez du côté de la rotation. On s'arrête à l'horizontale
Travail des obliques ici. Puis on inspire. Retour au centre et vous soufflez. De l'autre côté. Le piège de cet exercice, hein, c'est de finir un peu comme ça là. On essaye vraiment de toujours étirer, allonger sa colonne vertébrale. Inspire, soufflez. Et là, on a de la place dans ses oreilles, on a de la place dans ses épaules. Inspire au centre, expirez. Imaginez que votre colonne vertébrale, elle vrille sur elle-même. L'image là qu'on pourrait avoir, c'est une serpillière qu'on tord, même si ce n'est pas méga glamour. Votre colonne vertébrale est une serpillière qu'on essore en la tirant d'un bout à l'autre. Encore. Travaillez bien avec le ventre rentré, le périnée serré. Vous devez sentir vos abdominaux ici. Hein. Si vous avez du mal à les sentir, focalisez-vous sur justement le ventre rentré, le périnée serré. Encore une fois. Inspirez, soufflez. On revient ici au centre. On passe les bras sur l'avant. Et cette fois, en soufflant, vous allez tout doucement descendre chaque vertèbre une par une. Alors, si vous étiez jambes fléchies, vous pouvez également descendre jambes fléchies en accrochant les mains derrière les cuisses. Ok, parfait. Petite phase où on est couché. On va démarrer sur le côté. Je regarde si on n'est pas trop à la bourre, mais ça va. Petit travail latéral pour justement venir bosser un petit peu moyen fessier. Et puis aussi, vous allez voir la taille. La main ici vient sous la tête. S'il y a une épaule qui bloque pour X raison, vous pouvez très bien placer le bras devant vous et mettre un petit coussin sous votre tête aussi. Le repère, c'est parallèle au tapis. Vous êtes absolument aligné. Vous engagez votre centre avec toujours donc, le périnée serré, le ventre rentré. Vous avez ici un petit creux qui se creuse sous la taille. La main devant le ventre. Vous décollez vos deux jambes tendues. Vous dégagez votre épaule supérieure là dans la pochette du pantalon. C'est un travail qui se place ici en suspension avec les deux jambes tendues. On n'a pas commencé l'exercice. Hein. Nous allons inspirer dans cette position-là. Et en soufflant, vous allez amener votre gros orteil vers votre genou. On ouvre ici le genou vers le plafond. On termine l'expiration avec la jambe qui s'étire vers le plafond. On inspire, point de flex. Et en soufflant, on pousse le talon en arc de cercle jusqu'au pied. Puis on inspire, pointe tendue. Allez, là, je veux voir, j'imagine les messieurs là en train d'essayer de me faire un espèce de grand plié déplié. Ça va vous faire beaucoup de bien dans vos hanches. Soufflez, tire la jambe, inspire, pointe de pied, soufflez. Je te vois bien faire ça là. Je sais, on en parle demain. Inspire, soufflez, ouvrez votre genou. Stabilisez ici, périnée transverse. On termine l'expiration, on est là-haut. Inspire, point de flex, on souffle, on descend. Pendant qu'on est ici, vous avez toujours votre épaule dans la poche arrière du pantalon. Toujours le gainage. Hein. Soufflez. Et la jambe du dessous, elle est décollée. Hein, okay. Personne n'a reposé sa jambe au sol, bien évidemment. Soufflez. Niveau un petit peu d'adaptation, vous pouvez très bien le faire juste ouvrir et descendre. Ok. Là, ce qui compte, c'est la position, le gainage, la respi. On fait encore ça une fois. J'allonge. Inspire, pousse le talon ici en arc de cercle. Nous en manquons une. Soufflez. Allonge. Gardez bien votre bassin dans l'axe. Si jamais vous lâchez le centre, vous allez voir que ça va se casser la figure. Et vous allez reposer, relâcher quelques petites secondes. J'espère que vous avez eu des petites sensations. Adducteur, taille, hanche de la jambe supérieure. On va maintenant faire une petite transition entre ce côté et celui-ci. On va se mettre sur le dos pour bosser la sangle abdominale. Alors, pendant cet exercice de sangle abdominale, votre buste est fixé, immobile. Il va être solide grâce à vos abdominaux. Vous êtes en position neutre avec donc votre courbure lombaire. Si jamais vous aviez un petit peu d'inconfort, vous pouvez travailler les lombaires plaquées au sol. Vous étirez votre nuque sur le tapis, vous me placez vos deux bras de chaque côté du buste. On va m'amener
une jambe et puis l'autre à 90 degrés. Position chaise renversée, vous êtes sur une chaise, mais elle est donc renversée. Et vous allez garder bien les genoux à la plante des hanches. Normalement, dans cette position-là, vous avez déjà vos abdominaux qui travaillent. Petit exercice de One Leg Circle. On va essayer avec une jambe qu'on va allonger ici. Alors, allonger tendu si possible, sinon vous pouvez me faire une légère flexion. Et vous allez essayer de me décrire un petit cercle au plafond. Vous soufflez, vous me décrivez un petit cercle. Imaginez que votre gros orteil, il est en fait muni d'un crayon et vous allez dessiner un petit cercle au plafond en conservant bien ici les hanches complètement immobiles. Vous soufflez et c'est vos abdominaux ici qui vous permettent de faire ce travail-là en étant stabilisé. Soufflez. Nous allons changer le sens du cercle. Donc la même chose avec la jambe pliée, c'est pareil. Hein. Là, on va dire que le crayon, il est plutôt au niveau du genou, quoi. Hein, pour que tout le monde ait un dessin un petit peu qui tient la route, soufflez. Si vous êtes jambe pliée, vous pouvez éventuellement ouvrir un petit peu plus le genou pour en fait venir corser l'exercice. Encore. Ok, vous allez changer la jambe. On inspire, on tend si possible l'autre jambe, crayon au bout de vos gros orteils et vous soufflez, on ouvre. Périnée transverse bien engagée, soufflez. Là, vous devez sentir vos abdominaux travailler en stabilité. Soufflez. La tête relâchée sur le sol. On étire toujours sa colonne vertébrale. On vient chercher la longueur dans ses vertèbres. Les épaules loin des oreilles. On change de sens. Expire. Jambes tendues ou jambes fléchies. Un peu t'importe. L'essentiel, c'est que vous me gardiez l'autre jambe aussi totalement immobile. Hein, si on a une qui bouge, l'autre, elle n'est pas là, quoi. Sinon, vous allez absolument pas sentir tout à fait le travail des abdos. Encore deux fois comme ça. J'expire. La dernière. J'expire. Ok, vous allez maintenant placer vos deux genoux ici à 90. On va décoller le haut du corps. Les omoplates sont décollées. Les bras sont tendus de chaque côté du buste. Et on va faire une petite centaine pour la route. Vous inspirez ici avec les deux bras qui battent. Très, très tendu, très rigide au niveau de la partie du bras. Vous soufflez, vous rentrez votre ventre. Travail de stabilité, pareil, au niveau du buste grâce aux abdominaux. Là, vous pouvez regarder votre nombril entrer. Facile, il est devant les yeux, là. Donc, il doit absolument disparaître. Encore, inspirez. Expirez, périnée transverse. Petit travail de centaine. Cet exercice, c'est vraiment un basique du pilates. Il tire un peu dans la nuque, on est d'accord, parce qu'en fait, on travaille des muscles différemment d'habitude là. Si vraiment ce n'était pas confort au niveau de la tête, vous pouvez la reposer, mais c'est un petit peu moins intense. Soufflez dernière fois. Ok, vous pourrez reposer la tête et les épaules. Bien, j'ai envie de vous dire, il nous manque un côté au niveau du travail latéral. Donc, allons-y. C'est l'heure de se replacer bien parallèle à son tapis. Là, on vient étirer son corps d'un bout à l'autre. La tête sur le bras ou sur un petit coussin, c'est vous qui voyez. Vous engagez votre centre avec le périnée transverse. Vous avez le creux sous la taille. Vous me décollez vos deux jambes du sol. Là, ici, bien toujours les sourires des clavicules. Alors, on inspire sans bouger. En soufflant, vous me ramenez ici le gros orteil vers le genou. On termine la course en étirement. Inspire, point de flex et souffle, pousse le talon en arc de cercle. La jambe est super tendue là. Inspire, point de tendu, soufflez. Inspire, point de flex, soufflez. J'engage le centre, le périnée transverse, bien sûr. Allez, inspire, point de tendu, soufflez. Pensez à stabiliser vos hanches. On ouvre la jambe vers le plafond. Le genou ici. Regarde vers l'arrière, on souffle, on pousse. Voilà, l'autre jambe bien tendue. Gardez-la bien tendue et surtout hors du sol. Soufflez, ouvre, dégagez le genou est fixé. Inspire, point de flex, soufflez, pousse le talon. La tête bien relâchée, travaillez avec le périnée transverse serré. Et si vous sentez que l'équilibre est un peu précaire, reconcentrez-vous sur la position et l'engagement du centre.
Inutile de s'accrocher à son tapis. Hein, on finit pas ici comme ça. Je vous connais. J'en connais certains. Une petite dernière. J'inspire, je souffle. J'allonge, je tire. La jambe du dessous toujours tendue. Inspire, point de flex. Soufflez, allongez. Parfait. On a donc sollicité un petit peu moyen fessier adducteur. On retourne sur le dos. Pour cette fois, venir bosser et mobiliser un petit peu les fessiers, le bassin, avec notre petit pont des épaules que j'adore. Alors, les deux pieds parallèles, largeur du bassin, pas trop près des fessiers, pas trop loin non plus. Hein. Les bras relâchés, la tête sur le sol, le position neutre ici, vous engagez votre centre. Nous inspirons toujours dans nos cages thoraciques. Le périnée se serre et vous soufflez, vous basculez vos lombaires sur le sol. Une fois que les lombaires sont posées, on peut prendre appui sur les pieds, serrer ses fessiers jusqu'à amener le bassin aligné avec les épaules et les genoux. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez et vous allez souffler. On redescend très lentement chaque vertèbre une par une jusqu'à retrouver la position neutre. Allez, prenez le temps de faire cet exercice. Et en plus, il est super agréable. Donc, vous inspirez. Périnée transverse, soufflez, enroule. Détendu dans la tête, détendu dans les épaules. Le poids du corps est porté sur le haut du dos. Inspire en haut, on ne bouge pas. Soufflez, redescendre doucement. Là, c'est vraiment les vertèbres qui se posent une par une, comme si on déposait un petit collier de perles au sol. Inspire, cage thoracique, périnée serrée, soufflez. Enroulez doucement. L'exercice qui vient solliciter les fessiers, les ischios. Inspire en haut, soufflez, redescendre. Là, on essaye de faire bouger le bas de son corps, alors que le haut de son corps, la nuque, la ceinture scapulaire est libre. Inspire en bas, soufflez. J'annonce une petite phase statique pour les plus téméraires. Là, ceux qui préfèrent continuer comme on vient de faire, vous pouvez continuer. Sinon, on tente la petite phase statique. Vous allez inspirer, amener un genou ici fléchi à 90 et reposer. Encore, j'inspire. L'autre côté et on souffle. Là, notre bassin ne bouge plus. Il est totalement fixé grâce au super grand fessier de la jambe d'appui. Vous gardez bien sûr le centre engagé. La tête et les épaules relaxent, ok. On essaie d'enchaîner ce travail avec la respiration. Allez, encore. Périnée transverse. Dernière fois. Ici, on sent bien le fessier de la jambe de terre travailler. Hein. Puis, vous inspirez, vous soufflez. On va reposer très lentement ces vertèbres une par une. Faites-moi un petit break genou-poitrine. Bien mérité. Allez, il nous manque un exercice de renforcement. On finira notre séance par, bien sûr, quelques petits étirements qui vont bien. Et je pense qu'on aura fait un joli petit tour de notre corps pour ce soir. Alors, on va se mettre sur le ventre pour travailler justement les muscles du dos. Je vais rapprocher mon tapis parce que là, va falloir un petit peu de place. Pendant cet exercice de coucher ventral, le bas du corps ne va pas travailler. Imaginez que vous avez une péridurale. Voilà, c'est simple. Vous êtes complètement relax à partir des lombaires. Donc, vous laissez vos talons partir sur le côté. Les fessiers sont relâchés. Ça ne travaille pas. On va amener le nez au ras du sol, sans le déposer, hein, puisque vous avez toujours en fait l'alignement avec la nuque. Les deux mains de chaque côté du tapis. Dans cette position-là, déjà, vous me faites centre engagé, périnée transverse. Alors, attention, il n'y a pas de fessiers, hein. Là, vos fessiers restent toujours libres. Le nombril à l'intérieur, vous me dégagez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. On va travailler un petit peu toute notre colonne vertébrale, les muscles profonds. Vous allez, ici, inspirer, décoller vos deux bras du sol, fléchis. En soufflant, on va allonger les bras loin devant, sans monter les épaules aux oreilles. Puis vous inspirez, vous allez ramener les mains de chaque côté ici des cuisses. Et terminer par une petite extension ici, on vient très légèrement sur ses côtes.
et où vous dégagez vos épaules dans les poches des pantalons. Le tout fessier relâché, ok? C'est vraiment le haut du corps qui travaille là. Au niveau respi, on a terminé d'inspirer ici, vous soufflez. Poussez les bras devant. Inspire. Ouverture, dégagement des épaules dans les poches des pantalons. Soufflez. Bras devant tendus. Inspire. Donc ça, c'est le mouvement complet de la brasse. Si au niveau articulaire, ça passait moyennement pour cause d'épaule, par exemple, un petit peu fragile, on peut très bien le faire juste souffler et inspire, ramène à 90. Option mobilité. Sinon, si vos épaules tournent sans problème, on va chercher ici à me faire donc la petite extension, monter sur les côtes, ouverture ici au niveau des clavicules, souffler, sans monter les épaules vers les oreilles, inspirer, je relâche les fesses, je relâche les talons vers l'extérieur, souffler. Consigne non négligeable que j'ai oublié, personne ne regarde devant, même si je sais que vous regardez vos écrans. Essayez de vous concentrer sur ce que je dis, le menton reste plutôt vers la poitrine ici. Inspire, on fait ça encore deux fois. Soufflez, allonge, bras qui s'étendent. Inspire, omoplate serrée, encore une fois. Exercice super complet pour tout le dos. Inspire, et vous pouvez relâcher tranquillement. Bien, j'espère que vous avez senti toute votre colonne vertébrale chauffer. Et prenez appui ici sur vos mains. Vous venez vous asseoir quelques petites secondes sur vos pieds et vous essayez de me mettre les bras de chaque côté des mollets. Là aussi, pour cette position, si ce n'est pas très confortable pour certains, je vais vous donner une petite feinte pour la suite. Petite feinte avec des coussins. J'ai deux ados affamés. Des coussins. Et là, en fait, on peut mettre ces petits coussins au niveau des cuisses. Ça limite un peu la flexion du genou. Et au niveau des chevilles. Voilà. Ça, ça peut être une bonne option pour justement essayer de pouvoir relâcher un peu sa chaîne postérieure dans cette position-là. Avec les bras de chaque côté des mollets pour vraiment sentir ses épaules qui poussent vers l'avant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fini notre renforcement musculaire. On va travailler un petit peu quelques étirements histoire d'avoir bien fait le tour de cette séance que j'ai appelée bien-être. Oui, parce que c'est aussi du bien-être de faire du sport. On va prendre ici appui sur les genoux. Vous allez m'amener une jambe sur l'avant. Si possible, le pied bien en devant. Et en fait, on va juste laisser descendre le bassin entre les deux genoux. Okay? Là, pareil, si vous avez des genoux un peu fragiles, des trucs un peu... un tapis pas très... un peu vieux, comme le mien, par exemple, on n'hésite pas, on se cale des petits coussins à droite, à gauche. Vous devez sentir votre psoas iliaque ici qui tire. Pendant cette petite phase de stretching, on lâche le ventre. Oui, on a le droit. On fait une respiration de relaxation. Donc, vous inspirez. Vous soufflez. Cette fois, sans trop forcer au niveau abdominal. Simplement, pas d'à-coup. On prend son temps. Ok, vous allez revenir ici. Changer la jambe qui s'étend sur l'autre côté. Le genou ici qui vient au-dessus de la cheville. Quoi qu'il arrive, ne soyez pas ici, sinon vous n'allez pas tout à fait, sentir l'étirement que je vous propose. Là, il faut qu'on ait vraiment la place de descendre son bassin entre ces deux appuis. Le haut du corps reste relâché. Vous inspirez, vous soufflez. L'étirement du psoas que je vous propose de faire régulièrement. Ça fait du bien, ça libère le bassin, ça libère les hanches. Ça fait du bien aussi aux lombaires. Globalement, vous l'avez compris, il faut bouger un peu dans tous les sens. Vous allez revenir ici. On va quand même venir s'allonger parce qu'on a bien avec les seins. Petit coussin sur la tête si vous souhaitez. Vous allez me faire ici un petit exercice où on vient attraper l'intérieur de ses pieds. On amène les genoux du côté des aisselles et on va faire une petite bascule droite-gauche pour étirer les adducteurs, les fessiers, les muscles lombaires. L'étirement du bébé heureux qui fait beaucoup de bien.
Quelques petites secondes comme ça. Vous pouvez relâcher. On viendra sur le côté, se mettre en position assise. Là, on va travailler la ceinture scapulaire, puisque là, vous, c'est aujourd'hui la ceinture scapulaire. Donc, les mains viennent à l'intérieur du tapis. Ça nous donne un petit repère. Et vous descendez vos appuis jusqu'à sentir un étirement au niveau des biceps et des épaules. Et là, vous respirez pareil, tranquillement. On inspire, on souffle. On laisse cet étirement s'installer dans ses épaules, dans ses biceps. C'est un bon étirement pour ouvrir un petit peu la posture. On revient petit à petit devant. Vous allez prendre appui sur vos gros orteils, poussez vos talons dans le sol, tête relâchée vers le bas. On étire quelques secondes ces tendons d'Achille. Vous soufflez, vous allongez vos deux jambes si possible. Là, maintenant, je vous demande d'allonger les jambes tendues. Si c'est possible, hein, bien sûr, pour que vraiment vous sentiez cet étirement partie postérieure. On laisse le poids du corps dans l'avant du pied. On relâche bien la tête, les épaules. Puis vous pliez vos deux jambes tout doucement. Tête bien relâchée, on inspire, on souffle. On déroule très lentement la colonne vertébrale. Vous allez terminer avec les épaules et la tête. Voilà, un petit peu de cadrage. Vous allez me mettre les deux mains serrées ici, croisées derrière votre nuque. Vous fermez vos deux coudes, le menton vers la poitrine et vous restez quelques petites secondes comme ça en étirant de la nuque. Faites attention ici, dites-vous bien, je descends mes épaules. Je sais que les épaules sont d'office beaucoup trop hautes. Gardez vos genoux souples. On se redresse, on inspire, on tire les bras au plafond. Là, on allonge, on allonge, on allonge sa silhouette complètement. Grand inspire. Et vous soufflez. Vous pouvez redescendre tout doucement vos bras de chaque côté. Et là, j'ai envie de vous dire, on a très bien travaillé. Un grand bravo à vous. J'ai hâte de voir si vous êtes toujours là. Oui, a priori, vous êtes toujours là et toujours vivant. Et que vous me disiez un petit peu ce que vous avez passé. Hop, je remets mes yeux. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Voilà, j'ai soif. Ça vous a plu? Chouette, très bien. Est-ce que vous avez réussi à suivre les enchaînements? Est-ce que vous avez eu des trucs qu'on voulait revoir ensemble? Les gens qui, donc les pilates que je connais déjà depuis longtemps, et puis les nouveaux, est-ce que vous avez des petits trucs à discuter avec moi? Ah, merci pour vos petits commentaires, c'est chouette. Moi aussi, ça m'a fait du bien, je vais vous dire là, je me sens un petit peu déverrouillée. Oui, Carole, c'était ta première fois, t'as adoré, bon bah super. Sylvie, elle a tout réussi. Carole, pas tout réussi, c'est pas grave, Carole. Annie, t'as trouvé dur, dur. Ah, je vous propose de refaire cette séance. Parce que, en fait, oui, la première séance de la clé, effectivement, elle est un peu plus cool. Évidemment, voilà, reprendre les choses lentement. J'essaie de lire vos commentaires, mais là, je vous avoue que j'ai du mal. Alors, pour tout ce qui est des problèmes d'enchaînement, d'équilibre, de coordination, dites-vous que ça vient avec la pratique. Il n'y a pas de secret. Ensuite, n'hésitez pas à faire vraiment les séances plusieurs fois de suite, même celle-ci, elle sera disponible en replay sur YouTube. Comme ça, vous allez savoir, en fait, quel exercice va arriver, quelle position va arriver, et vous serez dans une position de force par rapport à l'apprentissage. Et ça, c'est super important, parce qu'effectivement, ce sont des exercices qui s'apprennent. Merci, merci, merci. Bon, alors, du coup, oui, effectivement, pas évident de coordonner le périnée toujours. J'ai vu un message plus haut concernant la respiration, mais je crois que je l'ai loupé. Alors, attends, voir, c'était... voilà. La position de chaise est très difficile. Alors, en fait, si tu veux, quand on est en statique, très souvent, on a quand même une fréquence cardiaque qui monte et ça nous essouffle. Hein, le fait de travailler en statique, en chaise, en plus, on recrute vraiment
deux tiers de nos muscles, donc on est vraiment en consommation d'énergie un peu haute, donc la fréquence cardiaque augmente, donc on a tendance à être essoufflé. Donc ce que je te propose, c'est de bien ralentir ta respi et éventuellement de faire des petites pauses et de redescendre. Et petit à petit, ça pareil avec l'entraînement, tu vas voir que ça va aller sans problème. Merci Kayla, merci Catherine. Oui, c'est ça, c'était une petite séance découverte. Alors oui, cette séance va rester sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous propose de le faire pour que vous ayez les petites notifications des vidéos qu'on met en ligne régulièrement. Et puis en plus, de mettre un petit j'aime parce que vous savez que ça nous aide dans l'algorithme YouTube. On a aussi donc des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous retrouver. J'imagine que vous avez peut-être déjà vu le groupe Facebook Pilates, le groupe du Pilates Challenge et notre petit compte Instagram. Oui, donc pour une première top, c'était top, on va super. Alors Marlène, avec cette hernie discale, est-ce qu'on peut faire cet exercice en torsion? Donc tu vois Marlène, quand on a une pathologie discale avérée, moi je conseille toujours de voir avec son équipe soignante, c'est-à-dire normalement tu as un kiné qui s'occupe de toi et il va pouvoir t'aiguiller sur certains exercices. Tu vois, je conseille absolument que tu en parles parce qu'en fonction de ta hernie, en fonction de toutes les hernies ne sont pas pareilles. Donc, il faut vraiment voir avec son professionnel de santé quel exercice est possible et si jamais il y a des petites adaptations à faire. Globalement, moi, ce que j'aime dire à mes patients, c'est vous suivez votre ressenti. Vous suivez votre ressenti. Si vous sentez que ça pince, que ça tire, que ça donne une douleur que vous avez déjà rencontrée lors d'une pathologie discale, vous voyez de quelle douleur je veux parler, la douleur un peu neurologique, là, ben vous ralentissez. D'accord ? C'est vraiment dans le respect de son corps qu'on doit travailler. La classe à la Dallas, c'est du net. Merci. Merci. Parfait. Caroline qui me dit que le bébé heureux, c'était plutôt le vieux singe affalé. Mais non, Caroline, tu es un petit peu dure avec toi. Alors, voilà, bah c'est ça en fait. L'idée, c'est de vraiment répéter les mouvements pour qu'on arrive à capter un petit peu. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez être de plus en plus précise. Bah, très bien, Sandrine. Voilà, tu vois, si tu as senti qu'au niveau de ton épaule, c'était un peu fragile, on n'hésite pas, on se met en quadrupédie, on décharge. Il y a toujours des options qui sont possibles. Merci, Martine, ça fait disparaître les douleurs. Alors, tu fais du pilates en assos dans le 44. On peut aller voir un kiné. Tu veux dire un kiné qui fait du pilates? En fait, ce n'est pas tous les kinés qui sont formés en pilates. Moi, c'est vraiment parce que c'est un truc qui me plaît. Donc, je ne sais pas. Oh, Brigitte, t'étais là. Cool. Ah bah, super. Ça me fait plaisir de te retrouver aussi. Écoute. Alors, justement, donc là, je vais vous... Ah bah voilà, Claudine, parfait. C'est bien. Il faut bouger avec une scoliose. Surtout, il faut bouger avec une scoliose. Alors, oui Gilles, quel est tes cours en étant abonné? Alors, du coup, ben voilà Gilles, tu m'ôtes la transition de la bouche. Je vais donc vous proposer plusieurs options si vous êtes intéressé pour poursuivre dans l'aventure du Pilates avec moi. En fait, là, moi ce que je peux vous proposer en fait pour aller plus loin, c'est notre petit programme que j'ai conçu, un programme de 12 séances évolutives. Séance de 30 minutes, c'est exactement le même format qu'on a fait ce soir. Et ce programme est accessible sur une clé USB ou sur la plateforme de notre site. La clé USB, donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, la prendre avec vous partout. Donc ce programme est censé durer 3 mois. Il y en fait 12 séances qui sont à répéter au moins une à deux fois, trois fois, c'est encore mieux, pour que justement il y ait ce phénomène d'apprentissage qui se crée petit à petit de séance en séance. Là, on est vraiment sur un programme qui est évolutif et qui est construit, c'est-à-dire que la séance 1, elle est quand même assez cool, on est plutôt sur de la mobilité, de la... Oui, bah voilà Gilles, t'as déjà la clé, je sais. Mais petit à petit, quand on arrive à la séance 12, on a une difficulté qui est bien croissante et qui permet vraiment d'avoir acquis un niveau, une forme physique et puis un niveau d'exigence qui est sympa. Et vous avez la possibilité du coup d'observer en fait cette évolution et de vous sentir mieux puisque vous allez voir que petit à petit, en vous entraînant régulièrement, la forme physique revient. Et aussi, l'engouement qu'on peut avoir pour le sport. On prend plaisir à faire du sport régulièrement, petit à petit. Donc, cette clé USB est disponible là sur notre site. Vous allez avoir tous les liens dans la description de ce live.
Et il y a aussi la possibilité de la retrouver dans une box. On a créé une Pilates box, en fait, il y a maintenant un petit peu plus de 6 mois. Et en fait, cette box, c'est vraiment plusieurs petits accessoires qui permettent d'agrémenter votre pratique de Pilates. Donc, la pratique de Pilates avec la clé. Mais on a mis aussi quelques petits accessoires du type, par exemple, une gourde qu'on a brandé nous-mêmes. On a mis aussi un petit livret qui permet d'avoir des exercices sur papier avec un QR code qui permet en fait de venir construire sa propre séance avec les petits QR codes. Par exemple, vous avez un petit peu la flemme de faire 30 minutes d'un coup, vous avez envie de faire 2 exercices de jambes par exemple, dans ce petit livret, vous pourrez très bien prendre les références pour les exercices de jambes et construire votre propre séance. Il y a aussi une petite bouillotte dans cette box pour en fait calmer les petites tensions, parce que bon, la chaleur, ça fait toujours du bien sur les contractures, sur les zones un peu de tension au niveau cervical. C'est une petite bouillotte de poche. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, on arrive à la fête des mamans, la fête des mères dans le 30 mai. Et que du coup, en fait, nous, on a 14 box à écouler. Après, il n'y en a plus. Après, on passe à un projet autre. Donc, on a mis en place un code promo de 15% sur cette box et sur cette clé. Donc, si vous avez envie de vous l'offrir ou de vous la faire offrir par votre entourage, bah, sachez qu'il y a il y a 15% de mis en place jusqu'au 24 mai. Ça nous laisse en fait le temps d'expédier pour que vous puissiez recevoir en fait les marchandises pour le 30. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, du coup, quotidiennement, c'est super. Après, c'est vrai que c'est une question de temps. Moi, j'aime bien dire qu'il faut pratiquer un jour sur deux. Si tu arrives à pratiquer 2 fois, voire 3 fois par semaine, c'est super. C'est super. C'est l'idéal. Alors oui, il y a aussi un abonnement live, mais là en fait ce soir on était sur une offre promo sur la clé et le programme du coup de 12 séances. Alors le Pilates n'est pas vraiment en fait spécialement pour le dos, c'est plutôt une discipline qui préserve en fait le dos, parce que comme vous avez pu le sentir, on est toujours en essayant de grandir sa posture, de faire travailler sa colonne vertébrale lentement, de bien ressentir les mouvements. Donc, on peut dire que ça préserve vraiment, vraiment la colonne vertébrale. Mais vous avez vu qu'on travaille tout le corps, en fait. On est sur un travail très, très global. Merci, Brigitte. Ben voilà, là, vous avez deux, trois petits témoignages de gens qui pilatent avec moi depuis un petit moment. Marlène, tu veux des infos sur le nouveau programme ? Celui qu'on a tourné à Minorque il y a une semaine, eh bien, c'est un programme qui est en plein montage. Je peux déjà vous dire un truc, il y aura un petit matériel avec. Voilà. 3 séances par semaine, ben voilà, ça c'est parfait. Merci Virginie. Oui Gilles, je donne des cours en live chaque semaine. Mais à la limite, je te propose qu'on fasse un petit échange par mail, tu vois. Mais oui, le jeudi soir, cours en live. Un peu comme ça, si tu veux. Annette, tu t'étais endormie. La relaxation a bien marché. Voilà. Donc, les cours en live, c'est le jeudi à 18h30. Là, pareil, on vous laisse les petites infos pour que vous puissiez les consulter si vous êtes intéressé par cette formule. En fait, ça dépend un petit peu vraiment de votre planning, de comment vous êtes capable de vous organiser. L'avantage d'un programme sur clé, c'est que vous le faites un petit peu quand vous voulez, quoi. Alors que le live, ça va être un rendez-vous donné à un instant T. Même si le cours est accessible en replay ensuite, l'idée du live, c'est de pouvoir partager sur le moment. C'est vrai que c'est un petit peu ça, la différence entre les deux formules que nous proposons. Est-ce que vous avez d'autres petites questions pour tout ça? Ah oui, Annette, t'inquiète pas, il y aura le replay. Parce que là, tout ce qui est sur cette chaîne YouTube, ça reste en replay de toute façon. Donc, il n'y a aucun problème, pas de stress. Tu vas pouvoir rattraper la séance quand tu veux. Quand tu veux et quand tu peux. En tout cas, merci d'avoir été nombreux avec moi ce soir. On a été quand même quasiment 300. On a été plus de 300 à un moment donné. Donc, c'est énorme, hein, 300 à pilater tous ensemble. Je suis quand même super contente de pouvoir réunir autant de pilates en même temps. Ça me fait super plaisir, tous vos retours et puis tous vos commentaires, là. Ça nous pousse à bosser encore plus loin.
Merci Catherine. Donc du coup, toutes les petites infos seront dans la description du live. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail hein, si vous avez des questions, des petites choses comme ça. Merci Caroline. Merci, merci. Et puis, de toute façon, on se retrouve de façon plus ou moins régulière sur cette plateforme en live. On essaye de faire un live tous les mois et demi, histoire de relancer la machine, parce qu'en fait, la chose la plus importante à conquérir en sport, c'est la motivation, vous l'avez bien compris. Ce qui est le plus difficile, c'est de monter sur son tapis. Une fois qu'on est sur son tapis, le reste, c'est gagné. Alors, si tu n'as jamais fait de Pilates, moi, je te conseille de démarrer par les 12 séances parce qu'en fait, on a vraiment une progression. Alors que tu vois, les cours en live sont déjà installés depuis un petit moment déjà. Et donc, c'est vrai que le niveau est quand même un petit peu plus haut. Alors que, si tu veux, le programme permet vraiment de mettre un pied dans le monde du Pilates et de se sentir bien au bout de 3, 4, 5 séances. Là, du coup, tu te sentiras mieux dans les exercices et tu comprendras mieux de quoi il s'agit. Bon bah parfait, impeccable. Eh ben nickel, moi j'attends vos retours par rapport aux gens qui vont recevoir cette petite clé. Je suis super contente parce que les retours ont été vraiment sympas. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Hein, ça va être l'heure d'aller dîner. Et puis je propose qu'on se retrouve en replay, en live. Via la clé, via les cours YouTube, via le Pilates Challenge qu'on avait mis en place sur Facebook aussi, qui a cartonné, que vous avez adoré. Donc, bref, on se retrouve sur un tapis, quoi qu'il arrive. OK ? Merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Pour l'abonnement en cours, tout sera écrit sur les liens. Pas de problème. Ok, parfait. Bonne soirée. Des petites courbatures, peut-être. Peut-être des petites courbatures. Mais ça, c'est pas grave, ça. Ça fait du bien, les petites courbatures. Quoi qu'il arrive, je vous embrasse tout à fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, à très bientôt.